Élevons nos mains, bénissons le Seigneur. Glorifions notre Dieu ce matin. Disons merci à Dieu pour ce mois qui s'achève. Disons merci à Dieu pour ses bontés qui s'est renouvelée chaque matin dans nos vies tout au long de ce mois d'octobre qui s'achève déjà. Disons merci à Dieu pour sa fidélité. Merci à Dieu pour son soutien. Oh Seigneur, nous te bénissons. Ce matin, nous te rendons grâce. Ce matin, nous t'élevons, oh Dieu, car tu es ici. Tu es ici, Seigneur, dans ta présence. Tu es là ce matin, oh Dieu, pour nous faire du bien. Tu es là ce matin, Seigneur, pour fortifier nos cœurs, fortifier nos âmes, oh Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, mon Dieu, car même dans le moment difficile, tu nous as soutenus, Seigneur. Tu as été avec nous, oh Dieu. Tu as été avec nous, Seigneur. Tu es là, oh Dieu, rempli de grâce, rempli de faveur, et tu veux encore nous faire du bien. Merci, Seigneur. Sauveur, avec un cœur de père, ce qu'il me faut. Oh, tu es ici avec tes mains pour guérir et la puissance de l'esprit, ce qu'il me faut. Jésus, tu es ici, rempli de grâce sauve. Alléluia. Ce qu'il me faut, ce qu'il me faut. Jésus, tu es ici, et là ce matin, il m'a prouvé. Oh, et la puissance de l'esprit, ce qu'il me faut. Ce qu'il me faut. Oh, oh, oh. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, mon roi. Juste, juste le sang de ton nom fait taire vent.
Seigneur, si vous n'êtes pas fatigué, je vous demander de rester un tout petit peu debout, le temps de réaliser le privilège qui est le nôtre de nous retrouver autour du Seigneur à l'occasion de cette célébration dominicale. Je vous demander de réaliser combien ce Dieu est bon, combien il est merveilleux, combien il est celui qui nous aime d'un amour inconditionnel, d'un amour désintéressé. Ce Dieu est bien là. Alors je vous prie de prendre un petit moment pour réaliser combien il est là, et en même temps réaliser l'importance de l'approcher avec confiance, avec foi, car il est là ce matin pour nous accorder sa grâce. Il n'est pas là pour juger, il n'est pas là pour condamner, mais il est là pour nous accueillir dans ses bras d'amour. Il est là pour nous combler au-delà de tout ce que nous pouvons nous imaginer. Car il est seul, mais alors le seul, à rencontrer véritablement nos attentes et nos besoins. C'est toujours une joie pour nous, Seigneur, de venir à ta rencontre. C'est toujours un bonheur pour nous, Seigneur, de nous attarder en ta présence, de nous prosterner devant toi, d'épancher nos cœurs devant ta face, car c'est dans ta présence, ô Dieu, que nous réalisons pleinement notre raison d'être ici-bas. Ta parole déclare qu'il y a des délices éternelles en ta présence, qu'il y a d'abondantes joies devant ta face. Et ce matin, nous voulons profiter de l'occasion, ô Dieu, pour nous immerger pleinement dans ta présence et expérimenter cette joie qui nous vient d'en haut, qui a sa source en toi. Ce matin, ô Dieu, c'est avec confiance, avec assurance que nous nous approchons de toi pour t'encenser avec notre louange, notre adoration, pour te louer, toi le seul, toi l'unique, toi le véritable Dieu, celui par qui nous sommes. Oh, alléluia. Merci pour ce dimanche 30 octobre. Seigneur, pour le soleil qui nous éclaire, pour l'air que nous respirons, merci pour la vie que tu nous as prêtée une fois de plus, cette vie qui nous anime. Seigneur, aussi bien sur le plan biologique que sur le plan spirituel, tout nous vient de toi. Ta parole déclare que tout don excellent et tout cadeau parfait descendent de toi. De toi, Seigneur, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Bénis ces moments, conduis-les par ton Saint-Esprit.
Seigneur, manifeste ta gloire parmi nous, répands tes grâces, et ce de manière surabondante sur chacun de nous. Nous sommes venus peut-être avec des besoins, des problèmes. Seigneur, nous sommes là et nous nous posons toutes sortes de questions, ne sachant pas comment nous allons, Seigneur, nous y prendre ou comment faire par rapport à tous ces obstacles, toutes ces montagnes qui se dressent devant nous. Mais en venant dans ta maison, nous voulons recevoir l'assurance que tant que tu es avec nous, rien ne pourra nous résister. Car ta parole déclare que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais bien par ton esprit. Par ton esprit que nous remportons, Seigneur, n'importe quel combat, n'importe quelle bataille. Merci pour tout, Seigneur, et merci de nous diriger dans ce deuxième service au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, veuillez vous rasseoir. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Très ravi de vous accueillir ici, donc, à la borne, au deuxième service. Je vois des amis qui sont de passage, d'autres qui reviennent à la maison. C'est une très, très bonne chose. Nous voulons donc accueillir chacun de vous à ce deuxième service, service de notre grande célébration dominicale. Vous accueillir, vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Et nous voulons par la même occasion saluer tous nos amis qui nous suivent un peu partout à travers le monde via les différents réseaux sociaux, les différents médias classiques. Si vous pouvez vous joindre à moi. Je voudrais saluer la présence de notre frère Daddy Mike. Voilà, c'est une surprise pour certains, mais Daddy Mike est accompagné de son épouse et de leur fille, Jaylee. Esther, Jaylee, soyez les bienvenus, vous pouvez vous mettre debout. Certains ont une mémoire courte, hein. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, Daddy a animé ici. Hein. Vous vous rappelez? À la conférence des jeunes. En tout cas, soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Je voudrais saluer également la présence de notre sœur Gajou, de notre frère Albert, si je vois bien. En tout cas, vous pouvez vous mettre debout. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Ça, ce sont les enfants de la maison. J'ai dit à Gajou il y a quelque temps, je te croyais même reparti. Je lui ai dit, quand je l'ai vu après plus de 30 ans, j'ai dit, mais j'étais resté avec l'image de cet ado qui aimait beaucoup le Seigneur, qui était toujours présente. Elle venait à pied parce qu'ils habitaient quelque part. Et puis cette fois-là, c'est une grande dame que je rencontrerai. En tout cas, Albert, merci. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes là, ben, soyez tous les bienvenus. Nous aurons l'occasion de vous accueillir de manière particulière, et donc à la fin, si vous êtes là évidemment pour la toute première fois, à la fin de notre service. Dieu est bon, Dieu est merveilleux, vous êtes d'accord avec moi? Nous avons tant de raisons pour lesquelles nous pouvons et nous devons le louer. Nous devons lui exprimer notre reconnaissance. J'aimerais commencer par dire merci à Dieu, avant de procéder à la présentation d'enfants, puisque nous avons 6 familles aujourd'hui, qui vont se tenir devant Dieu pour présenter leurs enfants. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour notre semaine d'évangélisation. Comme vous le savez, la semaine qui s'est achevée hier a été une semaine consacrée à l'évangélisation. Des gens sont sortis un peu partout pour partager leur foi, pour partager leur témoignage, pour présenter Jésus aux autres. Et puis on a invité les gens, et pendant 3 soirées, mercredi, jeudi, vendredi, eh bien nous avons annoncé l'évangile, et beaucoup d'hommes et de femmes se sont levés pour accepter Jésus, alléluia. Et ceci est la chose la plus merveilleuse qui soit. Alors je ne sais pas si nos amis qui étaient là, si vous étiez en semaine à la soirée que vous avez reçu le Seigneur, levez simplement la main. Si vous êtes ici à l'intérieur et si vous êtes dans nos différents hangars, nous aimerions vous voir. Non, il n'y a personne, mais c'est rien, il faudra faire... Ah, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Sois les bienvenus dans ta nouvelle famille. Il faudra bien suivre les autres. Hein. Gloire à Dieu. Donc ça a été 3 soirées extraordinaires, 3 soirées
au cours desquels le Seigneur s'est glorifié puissamment. Alléluia. Et puis, il y a des anniversaires personnels. Y a-t-il quelqu'un qui a son anniversaire aujourd'hui, qui a eu son anniversaire? Si tel est votre cas, levez simplement votre main. Nous voulons nous associer. Merci, merci. Bon anniversaire aux différentes mains. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous souhaitons une fois de plus une très bonne fête nationale à nos amis qui nous suivent depuis la Zambie. Vous savez que le 24 octobre, c'était l'indépendance de cette république qui est donc voisine à notre cher Congo. Que Dieu soit béni. Amen. Nous avons un programme très chargé, je l'avais annoncé plus d'une fois. Donc, au cours de ce culte, nous aurons la joie et le privilège de vous présenter les membres du comité chargé de tout faire pour que les travaux de construction d'un nouveau temple soient lancés. Je leur laisserai la parole, ils vont nous expliquer. Au premier service, c'était formidable. Nous vous donnons là une occasion de pouvoir faire quelque chose avec les seigneurs et pour les seigneurs. Alléluia. C'est donc une aventure de foi, de la foi et par la foi. Et donc, engagez-vous par la foi, ne regardez pas au contenu de vos poches. Dites, Seigneur, tu es mes finances, eh bien, je m'engage, je souscris pour tel ou tel montant et je vais prier pour que tout ça se passe bien. Nous allons procéder donc très rapidement à la consécration de quelques enfants. Je vais donc appeler les différentes familles et aussitôt que vous aurez entendu votre nom, soyez gentils de vous approcher. Je commence avec la famille Mwanda Pambu, donc qui aimerait consacrer son enfant Mwanda Pambu Bright. La famille n'est pas encore là. La famille Gossens aimerait consacrer son enfant William Gossens. Je les ai vus. Voilà, la maman, l'enfant, donc on va chercher l'enfant. Merci. On va chercher le petit William. Pour la grande joie de son grand-père qui est là. Papa Paul, je crois qu'il est quelque part. Hein? La famille Mudioko aimerait consacrer son enfant Rafaela Mulekwa Mudioko. J'ai l'impression qu'il y a un problème de circulation aujourd'hui. Hein? Je vois les places se remplir petit à petit. Les parents de Rafaela. Ah, c'est ça, Rafaela, vous pouvez vous approcher. Donc la famille Mudioko, la famille Kabale, aimerait consacrer son enfant Kabale Aloni Kaila. La famille Kabale, ça c'est la famille Gossens, le petit dans les bras de papy. La famille Baraka, merci. La famille Baraka aimerait consacrer son enfant Faraj Baraka Eden. Famille Baraka. Ça, c'est la famille Kabale. Ah, mais très bien, vous pouvez vous approcher. La famille Baraka. Ah, ok, très bien, merci. Et la famille Nsele aimerait consacrer son enfant Cham Nsele. Ah, voilà. La famille Nsele s'approche. Gloire au Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour ces enfants merveilleux qui sont un don que le Seigneur a fait à leurs parents. Et aujourd'hui, les parents ont décidé de venir se tenir devant Dieu, d'abord pour lui dire merci pour ses enfants, mais aussi pour les lui consacrer, les lui présenter, afin qu'à partir d'aujourd'hui, que le Seigneur puisse être celui qui les garde, qui les protège, qui les entoure par devant et par derrière, celui qui combat pour eux, celui qui marche devant eux. Alléluia. Je crois que l'Église est heureuse de pouvoir accompagner les parents ici. Donc, en tout cas, félicitations, chers parents. William, Rafaela, Aloni, Faraja et Chama. Et donc, nous sommes heureux de vous accueillir. Vous voyez, déjà à cet âge-là, ils entendent, hein, ne vous en faites pas. Et donc, dans leur petit corps, ils entendent et tout ce que nous disons. Chère famille, donc, c'est avec beaucoup de joie que nous allons nous tenir devant Dieu ensemble avec vous
pour implorer la grâce de Dieu sur chacun de vous, pour demander à ce que Dieu puisse poser sa main sur ses enfants et les garder contre toute puissance de destruction, puissance de maladie, puissance des ténèbres, qu'il soit la lumière qui les éclaire, qu'il soit la lumière qui les accompagne dans ce monde de plus en plus plongé dans les ténèbres. Alléluia. Donc, voilà, je vais demander à l'Assemblée de se mettre debout et très rapidement. Nous allons lever nos mains sur les enfants et comme nous sommes encore dans ces mesures, eh bien, nous allons imposer nos mains aux enfants alors qu'ils sont dans vos bras. Proclamons des paroles de bénédiction, proclamons des paroles de puissance, hein, des paroles de victoire. Seigneur, nous nous tenons devant toi avec le petit Bright, William, Raphaëlla, Aloni, Kaila, Faraja et Chama, ô Dieu, pour implorer ta grâce non seulement sur eux, mais aussi sur leurs parents. Ces enfants sont la manifestation de ton amour envers les parents. Ces enfants sont un miracle, un cadeau qu'ils ont reçu avec beaucoup de reconnaissance envers toi et beaucoup de joie. Et ce matin, nous voulons te consacrer ces enfants. Veille sur ces enfants, garde-les, protège-les, Seigneur, jour et nuit. Éloigne de ces enfants toute puissance de destruction. Que ces enfants grandissent dans la bonne santé. Que ces enfants expérimentent ta grâce tout le jour qui passe. En même temps, Seigneur, nous prions pour les parents, que tu leur donnes les moyens de créer un climat, une atmosphère digne de toi. Atmosphère, climat qui va te permettre, Seigneur, de modeler, de façonner ces enfants selon ta volonté. Ô Dieu, pourvois aux besoins de ces enfants. Donne les moyens matériels, les moyens affectifs, les moyens, Seigneur, financiers aux parents pour pouvoir, ô Dieu, pourvoir à tous les besoins de ces enfants. Merci pour tout. Nous proclamons ta victoire sur chacun d'eux, Seigneur, et te les abandonnons. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen. Félicitations, coucou les enfants. Allez, que Dieu vous bénisse. Merci et excellente et merveilleuse célébration. Merci. Voilà, merci, merci pasteur. Merci, nous voulons bien acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur ce matin? Nous poussons des cris de joie dans la présence de Dieu tout en acclamant le Seigneur. Tout en acclamant le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Alléluia. Entonnant, il y a la victoire.
le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Je suis dans l'allégresse,
Seigneur. Nous acclamons Jésus, Jésus. Alléluia. Nous t'acclamons ce matin, Jésus. Reçois la gloire, Seigneur. Nous sommes dans la joie ce matin. Alléluia. Une joie immense, car tu nous as libérés. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es sorti libre et vainqueur à la croix, oh Dieu. Alléluia. Le tombeau n'a pas pu te retenir, car tu es sorti vivant. Glorifie soit ton nom, Seigneur. Couronné vainqueur. Chandere bossa. Erabashate mimi. Chindere bébé. Erabashandere bébé. Semblable à toi, ô Dieu. Nous t'adorons ce matin, Jésus. Chante. Chante, mandere, bobo, seke. Nous t'adorons ce matin. Tu es sorti libre et vainqueur à la croix, ô Dieu. La terre n'a pas pu te retenir. Oh, pour mon vainqueur. Ce matin, nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Tu combats pour nous. Tu combats pour nous en tout temps, entouré des anges du ciel. Et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur. Mon secours et mon défenseur, mon sauveur et mon ami. Par ta grâce je vis, respire pour t'adorer. Tu es couronné vainqueur, tu as vaincu, tu
toute forteresse brisée. Tu es couronné vainqueur, tu as vaincu, tu as vaincu. Toute hauteur est renversée, toute forteresse brisée. Tu es couronné vainqueur, tu as vaincu, tu as vaincu. Toute hauteur est renversée, toute forteresse brisée. Tu es couronné vainqueur, tu as vaincu, tu as vaincu. Renversé, toute forteresse brisée. Nous acclamons Jésus, Jésus. Alléluia. Nous t'acclamons ce matin, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Yahweh Yosa. Bien, nous allons sans plus tarder incliner nos têtes et nous préparer à recevoir la parole de Dieu. Après ces moments merveilleux de louange et d'adoration, nous allons recevoir ce qui vient de sa part. Tu es tout pour nous, tout ce dont nous avons besoin pour une vie plus épanouie, pour une vie, Seigneur, plus victorieuse. Tout ce dont nous avons besoin, les ressources indispensables qui nous permettent, Seigneur, d'accomplir notre raison d'être ici-bas, notre raison de vivre. Tout cela ne peut nous venir que de toi. Et tu nous accordes ces choses au travers de cette communion que nous avons avec toi, mais aussi au travers de ta parole. Alors, Seigneur, aide-nous à préparer nos cœurs, afin que, Seigneur, tout ce qui sortira de la bouche de son serviteur et qui est conforme à ta parole puisse trouver un écho positif dans nos cœurs, puisse, Seigneur, déposer ta vie dans chacun de nous. Merci pour tout. Parle-nous au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, bon appétit. Voilà, nous allons, comme vous le savez, après, il faudra procéder à la présentation du comité pour la construction. Nous allons sans plus tarder nous tourner vers la parole. Et donc ce matin, je voudrais attirer votre attention sur une image du Dieu de la Bible telle qu'elle nous est révélée dans sa parole. Une image quelque part qui résume un peu l'attitude, mes amis, de Dieu envers tout homme, quelle que soit sa race, quelle que soit sa culture. L'attitude de Dieu, la posture de Dieu envers l'humanité, cette humanité qui hélas eh bien, sombre de plus en plus dans la déchéance, dans la décrépitude morale, dans la décadence spirituelle. Malgré tout cela, eh bien, cette attitude de Dieu reste la même. Je vais donc parler de Dieu dont les mains sont tendues vers chacun de nous. Peu importe le besoin, peu importe ce que nous sommes, peu importe notre statut, mais il y a une chose que la Bible nous révèle, c'est que Dieu a toujours, mais alors toujours ses mains tendues envers ou vers chacun de nous. Les mains du Seigneur tendues vers l'homme. Nous allons lire juste deux passages
dans Ésaïe chapitre 65, les deux premiers passages. Ésaïe 65, à partir du premier verset, nous allons lire. C'est le Seigneur lui-même qui parle. « Je me suis laissé consulter par ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. » Le Seigneur est en train d'interpeller Israël et qui, malgré tout ce qu'il avait fait pour lui, les prodiges, les miracles, une démonstration de puissance inouïe, extraordinaire, malgré tout cela, hélas, Israël va donc s'éloigner de plus en plus, va se comporter en véritable rebelle, va donc s'éloigner en se complaisant dans le mal. Et ensuite, au verset 2, il nous est dit « J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rétif, un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré, hélas, pourrais-je ajouter, au gré de ses pensées. » Et gloire à Dieu. « J'ai tendu mes mains vers un peuple rebelle, un peuple rétif, mes mains tout le jour. » Malgré ce qu'Israël a fait, était en train de faire, bien qu'il lui ait tourné le dos, bien qu'il ait opté pour des pratiques abominables des nations païennes, bien qu'il ait déplacé son centre de gravité de Dieu et de sa parole vers des choses vaines, et bien la Bible nous dit que le Seigneur est resté avec ses mains tendues envers Israël, envers son peuple. Et cette attitude de Dieu qui tend ses mains vers l'homme, cet homme qui l'a fait à son image, à sa ressemblance, cette image, cette révélation, mes amis, cette attitude de Dieu qui consiste à tendre ses mains vers cette humanité qu'il a faite à son image, à sa ressemblance, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne sommes pas le produit du hasard, nous ne sommes pas des macaques ou des babouins améliorés ou perfectionnés, mais plutôt des créatures que lui a faites de son propre chef, qu'il a faites à son image et à sa ressemblance. Eh bien, bien que dans la plupart des cas, beaucoup d'entre nous soient loin de Dieu, mènent une vie qui le met en porte-à-faux avec la volonté du Seigneur, mènent une vie marquée par la souillure, par la décadence, par toutes sortes de choses mauvaises, malgré tout cela. Il y a une chose dont nous devons être absolument sûrs, c'est que les mains du Seigneur restent toujours tendues envers chacun de nous et vers chacun de nous. Alléluia. Tant que nous sommes en vie, mes amis, Dieu continuera à nous appeler, Dieu continuera à nous interpeller, Dieu continuera à tout faire pour que nous revenions à lui et que nous nous jetions dans ses bras d'amour, dans ses bras de compassion. Car s'il y a un lieu où nous sommes à l'abri des flèches enflammées du diable, s'il y a un lieu où nous sommes à l'abri de la malédiction, à l'abri de la haine des uns et des autres, s'il y a un lieu où l'ennemi ne peut pas toucher à notre vie, eh bien, c'est dans les bras de notre Père, alléluia. Là, nous sommes en sécurité, là, nous sommes sous une protection sûre. Les bras tendus. Ce passage, ce verset, illustre mieux, mes amis, l'attitude du Dieu de la Bible envers ses enfants, envers l'humanité, envers tout homme. Et cette image-là, où Dieu se révèle comme étant celui qui a ses mains tendues vers chacun de nous, eh bien, cette image nous met en face d'une des plus grandes révélations de toute la parole de Dieu. Laquelle ? C'est que Dieu est amour. Alléluia. S'il nous tend ses mains, malgré notre rébellion, s'il nous tend ses mains, en dépit d'une vie dissolue, s'il continue à nous tendre ses mains, alors que nous marchons au gré de nos pensées, alors que nos cœurs sont constamment traversés par toutes sortes de pensées impures, eh bien c'est parce que il est et il reste le Dieu d'amour. Tout ce qu'il fait pour nous et en notre faveur,
Laissez-moi vous dire une chose, c'est qu'il le fait par amour. Il n'y a rien que nous puissions faire qui puisse contraindre Dieu à agir en notre faveur. Il y a, depuis quelque temps, ça date, hein, quelque temps, bon, c'est fort relatif, hein, des enseignements qui poussent les gens à vouloir monnayer les grâces de Dieu. On pense que Dieu peut être manipulé. Voyez-vous qu'on soit, il suffit simplement de s'élancer dans un jeûne de 100 jours. Il suffit simplement de donner une grosse dîme. Comme si Dieu, en nous tendant les mains, eh bien, il s'attendait à ce que nous puissions remplir ses mains de notre argent. Il n'a pas besoin de nous. Et du reste, tout ce que nous avons, c'est de lui que nous tenons. Alléluia. Nous n'avons rien à amener dans le monde. Et à notre départ, nous laisserons tout derrière nous. Et donc, tout ce que nous avons, si tant est que nous ayons quelque chose, et tout ce que nous sommes, si tant est que nous soyons quelque chose, eh bien, tout cela, nous le devons au Dieu de la Bible. Que nous soyons en bonne santé, c'est une grâce. Que nous ayons un travail, quel qu'il soit, c'est une grâce. Que nous soyons mariés, que nous ayons des études, que nous ayons terminé ces études-là, que nous soyons dans les affaires, tout cela, mes amis, doit être considéré comme étant la manifestation de l'amour de Dieu. Mais alors un amour inconditionnel, un amour désintéressé. Tout ce qu'il fait, il est fait par amour. Car il y en a qui se lancent dans des jeûnes en disant, oh là, voilà, je pars là-bas, je vais jeûner, et puis Dieu m'a amené quelque chose. Vous voyez ? Non. Non, le jeûne est indispensable, mais le jeûne n'est pas un moyen pour forcer Dieu à nous rejoindre là où nous sommes et à faire ce que nous voulons qu'il fasse. Dieu n'est pas un garçon de course à qui on peut intimer les ordres. Fais ceci, fais cela, va là-bas, viens ici, précède-moi là-bas, etc. Voyez-vous, nous devrions tout faire pour que sa volonté s'accomplisse en nous. Du reste, dans la prière, dans le Notre Père, lisez dans Matthieu ou dans Luc, qu'est-ce qu'il a dit? Voilà comment vous devez prier, Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme... C'est sa volonté qui doit être faite dans notre vie, pas la nôtre. Et pour que sa volonté soit faite en nous, dans notre vie, il faut que nous apprenions à être avec Dieu, à être là où il est, et non pas à aller quelque part et puis à lui dire « Ouh, Seigneur, c'est bien moi, regarde-moi, oh là là, le Seigneur est un peu distrait, je vais me lancer dans un jeûne de 10 jours. » Voilà. Et puis 10 jours, « Ouh, je suis là, c'est encore moi. » Non. Il nous aime. Alléluia. Et par amour pour nous, il fait mille et une choses. Nous sommes là. Dites-moi un peu, qu'est-ce que vous avez donné au Seigneur ce matin pour que vous vous réveillez, qu'en vous réveillant, vous retrouviez toutes vos facultés? Combien lui avons-nous payé pour l'oxygène que nous avons bénéficié de lui hier et encore aujourd'hui? Regardez, nous respirons. Hein? Essayez un peu d'être en détresse respiratoire et allez dans un de nos centres médicaux ici à Kinshasa, à ce moment-là, vous comprendrez hein, que l'oxygène là-bas n'est pas gratuite. Hein. Pas du tout. Hein. C'est payant. Hein. Alors qu'ici, regardez. Formidable. Tout est gratuit avec lui. Il nous envoie le soleil. Nous nous exposons au soleil. Il y a sécrétion de la vitamine D dont nous avons besoin pour notre immunité, sans payer. Mais si vous allez dans une officine pharmaceutique, pour avoir la vitamine D, il faudra payer. Hein? Vous voyez, c'est un Dieu formidable qui mérite que nous l'acclamions. Dieu est amour. Tel est le message que nous trouvons à travers toutes les Écritures. Et puisque Dieu est amour, alors il nous tend ses mains. Mes amis, il nous tend ses mains et nous demande de nous approcher de lui. Voyez-vous, il nous tend ses mains afin qu'il nous offre, qu'il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour accomplir notre raison d'être. Car nous ne sommes pas le produit du hasard. Même si vous n'avez pas été désiré par vos parents et qu'un jour vous êtes né comme ça malgré leur volonté de ne pas avoir d'enfant, sachez une chose, c'est que Dieu vous aime.
Même si vous avez été le produit d'un viol, d'une aventure d'un jour ou d'une nuit, et vous êtes né et vous n'avez jamais, on ne vous a jamais montré l'affection dont vous aviez besoin. On vous a toujours fait croire, comprendre que vous n'avez jamais été souhaité, que vous étiez un accident biologique. Eh bien, dès lors que vous êtes né, sachez une chose, c'est que Dieu vous aime. Ce n'est pas notre origine, ce n'est pas la manière dont nous avons été conçus qui amène Dieu à nous aimer. Non, dès lors que nous sommes nés, eh bien, il nous aime et nous pouvons recevoir cet amour en abondance. Alléluia. Si quelqu'un vous dit, d'ailleurs, je ne vous aime pas, mais dites-lui, tant mieux. Mais il y en a un qui m'aime, hein, et qui me comble de cet amour au-delà de tout ce que je peux m'imaginer. Oui, tout ce dont l'homme a besoin pour expérimenter des bénédictions, pour connaître le vrai succès, la vraie réussite, pour connaître, expérimenter une vie de plénitude, une vie de béatitude, une vie de victoire, eh bien tout cela ne peut lui venir que d'en haut. Et puisque cela lui vient d'en haut, alors vous comprenez pourquoi le Seigneur nous tend ses mains, nous demandant à nous approcher de lui. Jacques, chapitre 1, verset 17, le déclare. Que nous dit-il? Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut ou descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Tout nous vient du ciel et il n'y a personne qui puisse dire « le ciel est à moi ». Si tu veux recevoir quelque chose du ciel, il faut passer par nous ou par moi. Non, le ciel est là, à la disposition de tout le monde. Et quelquefois nous-mêmes, nous avons donné beaucoup de pouvoir, beaucoup d'importance à certains pasteurs, certains prophètes, au point où ils ont fini par vous faire croire qu'ils sont désormais un deuxième médiateur. Après Jésus, il faut absolument passer par eux pour recevoir quelque chose. Ça, c'est une hérésie, voyez-vous? Non, nous ne sommes que des simples outils pour dispenser les grâces de Dieu. Mais Dieu peut se passer de nous, n'est-ce pas? Et le Seigneur lui-même n'a-t-il pas dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia! Quel Dieu merveilleux nous avons, mes amis! Quel Dieu extraordinaire, extraordinaire nous avons. Et en nous décrivant ce Dieu-là comme étant celui qui a ses bras, ses mains tendues vers nous, la Bible nous le révèle comme étant le donateur suprême. Alléluia. Regardez tout ce que nous avons, celui qui nous a donné. Voyez-vous, aujourd'hui vous êtes à la tête de telle ou telle autre institution, aujourd'hui vous avez telle ou telle autre responsabilité politique ou autre. Eh bien, pour y arriver, il a fallu qu'il te donne la bonne santé. Pour y arriver, il a fallu qu'il mette à ta disposition les moyens qui t'ont permis d'étudier. Et donc, c'est lui le donateur suprême. Alors, en nous tendant ses mains, très rapidement, qu'est-ce que Dieu cherche? Qu'est-ce qu'il attend de nous que nous puissions remplir ses mains de notre argent? Que pouvons-nous lui donner en retour? Rien. Voyez-vous? Tout ce qu'il attend de nous est que nous le servions de tout notre cœur. Voyez-vous, non pas en s'attendant à ce qu'il fasse quelque chose pour nous. Pour quelle raison notre Père tend-il ses mains en notre direction? Eh bien, le passage que nous avons lu nous mène à comprendre que Dieu tend ses mains envers chacun de nous, envers l'homme, envers l'humanité, pour des bénédictions, pour premièrement... Première raison pour laquelle il tend nos mains, eh bien, accueillir le pécheur repentant. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde. Qu'a-t-il fait? Il a ouvert ses mains vers l'humanité et il a donné au monde Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parler des mains tendues, c'est parler de quelqu'un qui est constamment dans cette posture, dans cette attitude, dans cette position de donateur. Voyez-vous, il est là pour donner, il est là pour nous offrir tout ce dont nous avons besoin. Accueillir le pécheur repentant tout au long de la semaine qui vient de s'achever,
Nous avons annoncé l'évangile, nous avons proclamé la parole de Dieu, nous avons donné l'occasion aux gens de venir se jeter dans les bras d'amour, dans les bras de compassion, dans les mains toutes puissantes du Seigneur Jésus, alléluia. Car lorsque un pécheur se repent, se tourne vers le Seigneur, il se jette dans ses bras, croyez-moi, le Seigneur le reçoit toujours avec joie, toujours avec amour, alléluia. Car il est venu pour chercher chacun de nous, il est venu pour nous sauver et nous faire entrer dans le royaume du Père. À la croix, il a tout accompli. Regardez dans quelle position il était, pendu entre ciel et terre. Ses mains étaient tendues, voyez-vous, clouées sur ce bois infâme de la croix. Et de ses mains coulait le sang du pardon, le sang de la victoire, le sang qui communique la vie, le sang qui nous lave, qui nous purifie et qui nous débarrasse de toute souillure, de toute impureté, quelle qu'elle soit. Souvenez-vous de la parole du Fils prodigue, qui est une merveilleuse leçon, une fois de plus, de l'attitude de Dieu envers l'humanité. Cette humanité perdue qui se vautre dans le bourbier du péché. Cette humanité qui est sur cette pente qui la conduit tout droit vers le lieu de la destruction. Eh bien, la parabole du Fils prodigue, on n'a pas le temps de lire dans Luc 15, à partir du verset 11 jusqu'à la fin de la parabole. Eh bien, il est question de ce jeune homme qui un jour va voir son père lui dire « Bon papa, je voudrais voler de mes propres ailes, je voudrais quitter le foyer familial et aller ailleurs vivre seul. Alors j'ai besoin que tu me donnes ce qui me revient, que tu me donnes la part de la fortune qui me revient. » Son père consent à sa demande, il répond à cette démarche, il lui donne son argent, enfin tous les biens qui lui revenaient. Et puis le jeune homme part. Il part, il va se lancer dans une vie de débauche. Il va vilipender, dilapider tout son argent jusqu'à ce qu'il n'ait rien. Plus rien au point où pour vivre, il est allé travailler dans une porcherie. Et pour un juif, je vous assure, c'est la pire des humiliations. Il se retrouva à manger des caroubes, qu'on donnait aux porcs. Quel drame! Et puis un jour, il revient lui-même, il s'est dit non. C'est vrai que je suis venu par orgueil, c'est vrai que je voulais voler de mes propres ailes, j'avais besoin d'indépendance, d'autonomie et tout ça, mais non, je viens d'échouer lamentablement, je vais revenir, aller voir mon père, lui demander pardon. Ce qu'il fait, il part, et quand son papa, son père, en tant que le fils perdu, qui est égaré, qui avait tout perdu, et revenait, eh bien le papa est allé à sa rencontre, lui a tendu les bras, et l'a accueilli avec compassion, alléluia. On l'a lavé, on lui a donné de nouveaux vêtements, parce qu'il avait presque des haillons sur son corps, etc. Il lui a tendu ses bras et l'a accueilli avec amour, l'a accueilli avec compassion. Oui, cette parabole nous montre un Père divin qui aime et qui, au nom de l'amour, compatit à l'état désastreux de son fils. Il lui ouvre les bras de ce fils honteux, de ce fils rebelle, brisé, humilié. Il lui ouvre les bras. Il enlace, il les serre contre son cœur. Voilà, mes amis, l'attitude du Dieu de la Bible envers tout pécheur. Accueillir les pécheurs repentants. Deuxièmement, il tend nos bras pour offrir du secours aux désespérés, aux malades, à quiconque est esclave de son péché et de ses passions. Il n'y a que Dieu qui est la seule réponse à votre désespoir, à votre situation d'esclavage. Et à travers l'évangile, nous pouvons voir comment le Seigneur a tendu la main pour sauver, pour délivrer, pour guérir. Pensez à Pierre qui marchait sur les eaux, qui à un moment, voyant que le vent était fort, Pierre a eu peur et il a commencé à enfoncer. Et alors qu'il s'enfonçait dans l'eau, il a crié au Seigneur, « Seigneur, sauve-moi !»
Et aussitôt le Seigneur étend la main, il saisit Pierre et le délivre, mes amis, de ses eaux destructrices. Il a étendu sa main, il a guéri des lépreux, vous pouvez trouver ça dans les évangiles. Il a étendu sa main, il a ressuscité la fille de Jaïrus, cette jeune fille de 12 ans qui était décédée. Jésus a saisi la main de cette fille et lui a dit « Talitha koumi », ce qui s'est traduit « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Et aussitôt, sur le champ, la jeune fille se lève et se mit à marcher, alléluia. Voilà la main qui sauve, la main qui délivre, la main qui affranchit, la main qui apporte le secours. La main de celui qui est là et qui nous l'attend, alléluia. Troisièmement, il nous tend ses mains pour consoler ceux qui sont en proie au chagrin, à la détresse, à la tristesse, à la souffrance, ceux qui passent par des moments de deuil. Voyez-vous, oui, il nous tend cette main pour nous faire approcher de lui et nous donner la consolation, le réconfort dont nous avons besoin. Ésaïe 66, verset 12, dit ceci, « Car ainsi parle l'Éternel, vous serez portés sur les bras et caressés sur le genou. » C'est la dernière partie du verset. « Vous serez portés, portés sur les bras et caressés sur le genou. » Voilà le lieu où nous pouvons être à l'aise. Alléluia. Vous savez, nous sommes tous des enfants, malgré notre âge. On dit toujours qu'il y a dans chacun de nous un enfant qui sommeille. Voilà, donc on a toujours besoin, de temps à autre, d'être câliné par sa femme, par son mari, d'entendre mon chou, ma carotte, ma biche, mon agneau, qui encore, quoi encore, mon pondou. Voyez, c'est important parce que nous sommes tous des enfants. Vous voyez? Mais alors l'endroit où nous pouvons être mieux caressés, l'endroit où nous sommes à l'aise, l'endroit où nous pouvons être portés avec amour, vraiment amour, eh bien c'est sur les genoux de notre Père, c'est dans les bras de notre Père, alléluia. Et enfin, il nous tend ses bras pour rassurer tous ceux qui sont inquiets, ceux qui sont angoissés, ceux qui passent par des moments d'adversité, ceux qui font face à un avenir incertain, c'est pas très clair, oui, pour vous. C'est pas très clair pour toi, mais pour lui, tout est clair. Alors, sois en lui, laisse-toi porter par lui, alors tout deviendra clair. Alléluia. En conclusion, mes amis, les bras de notre Père Céleste sont tendus tout au long de cette journée, tendus envers chacun de nous. Les bras de notre Dieu sont tendus tout au long du mois de novembre qui se pointe à l'horizon, tout au long de l'année jusqu'à la fin de cette année et encore l'année prochaine. Bref, tous les jours, alléluia, tous les jours, il veut nous offrir l'aide, il veut nous offrir la sécurité, le réconfort, la victoire, le pardon, la restauration, la réussite, le succès. Alors, n'hésitez pas et je vous invite à vous approcher de lui et à vous jeter dans ses bras d'amour, alléluia, dans ses bras de compassion. Et je vous invite à vous y blottir, à demeurer en lui, et vous verrez que c'est le seul endroit où vous pouvez recevoir la vraie chaleur, le vrai amour, la vraie affection, la vraie sympathie, la vraie amitié. C'est là, sur ses jambes, c'est là, dans ses bras, qu'alors nous pouvons respirer comme il faut. Acclamons le nom du Seigneur. Nous allons prier rapidement, s'il vous plaît, pour les... vous pouvez vous lever, pour les offrandes. Soyez prêts, s'il vous plaît. Ok, levez-vous, les, oui, messieurs, mesdames, pour ceux... Voilà, comme ça on gagne du temps. Hein. Seigneur, nous te disons merci pour tout, pour ta parole, mais aussi pour cette occasion de pouvoir t'offrir quelque chose. Nous bénissons ton nom et te prions, Seigneur, de sanctifier tout cela afin que cela puisse servir à ta gloire. Au nom de Jésus, amen. Gloire au Seigneur, alléluia. Voilà. Pendant que les paniers sont en train de passer, je vais d'un moment à l'autre demander donc au président du comité pour la construction du nouveau temple, il va venir, il va prendre la parole, il va nous parler du projet. En même temps, il va nous présenter les différents membres
et je tiens ici à le remercier pour tous les travaux qu'ils ont abattu, un travail extraordinaire, en tout cas que Dieu les bénisse. Donc, le temps qu'on termine, si vous êtes prêts, vous avancez. Oui, oui. Et en même temps, soyez très, très attentifs parce qu'on va projeter une vidéo en 3D qui va vous montrer l'intérieur et l'extérieur de ce que sera votre église, de ce que sera mon église, de ce que sera notre... Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Papa Batou, merci. Parce que c'est un honneur que vous nous faites, pour que vous faites à la commission de s'adresser à l'Assemblée. Je vais commencer par présenter les membres de la commission de construction du temple est composée de 11 personnes. Comme toute construction est une question technique, dans la commission nous avons des ingénieurs civils en construction. Et les ingénieurs civils en construction sont d'abord Papa Médard Ilunga. Il peut se lever, je crois en même temps on projette sa... La technique, la photo de Médard Ilunga. Ah oui, Médard Ilunga. Le deuxième ingénieur civil en construction, c'est Patou Moi. Vous voulez bien vous lever? Que Dieu vous bénisse. Pour les questions juridiques, nous avons deux juristes dans la commission. La première, c'est Christy Madoudou. Vous voulez bien vous lever, Christy? Merci. Le deuxième, c'est Papa Georges Bassoubi, le deuxième juriste dans la commission. Que Dieu vous bénisse. C'est lui qui nous conduit dans l'intercession. Vient ensuite Papa Kaindo Noël. Papa Noël, vous pouvez vous lever. Merci. Que Dieu vous bénisse. Dans la commission, nous avons aussi Papa Marcelin Paloukou. Vous voulez bien vous lever? Merci, que Dieu vous bénisse. Nous avons aussi Papa Stéphane Veringa. Stéphane, vous pouvez vous lever. Nous avons la passerelle avec l'église, c'est Papa Guy Apalembi, qui est en même temps l'administrateur de l'église. Il y a deux membres de l'église qui ne sont pas présents, qui sont en voyage. Nous avons d'abord Papa Bienvenue en Simbanda, je crois qu'il est au protocole, on le connaît souvent. Il y a aussi Papa Bertin Bagalois, qui est aussi en déplacement. Et enfin, il y a moi, Victor Batubenga, le président de la commission. C'est un grand projet, tout projet est guidé par la parole de Dieu. Celui que nous conduisons, il est conduit par AG chapitre 1er verset 8, AG 1, 8. Et ce passage biblique appliqué à notre projet de construction de temple, c'est montons, apportons et bâtissons. Montons, apportons et bâtissons. C'est ça le passage biblique phare qui va conduire tout le projet de construction du temple. Nous allons, c'est vrai, il y en a qui ont construit en délocalisant toutes les activités. Nous n'avons pas un endroit où nous pouvons aller en délocalisant l'ensemble des activités. Donc les activités vont en même temps se dérouler ici, pendant que la construction sera en train d'être réalisée. Donc la construction sera faite en phase technique. Vous pouvez nous projeter le plan? Oui, il y aura quatre phases. La première phase, c'est là où il y a les chapiteaux et les hangars, et une partie du temple, ce sera la première phase. La deuxième phase, c'est du côté, là où on a le hangar de l'école maternelle. La deuxième phase, c'est là où nous avons, juste devant moi, là où nous avons le hangar 3. Et la quatrième phase, ce sera la partie centrale. Vous pouvez maintenant projeter la vidéo du début jusqu'à la fin. Parce que nous allons en même temps réaliser les activités de l'église, il nous a fallu beaucoup plus d'espace. C'est ainsi que nous avons été amenés à acquérir la parcelle que nous appelons Bethel, la parcelle Bethel, et nous avons construit trois hangars
qui vont abriter les personnes qui se situent pour le moment à l'endroit où les travaux vont commencer. Et ce temple que nous allons construire, il a quelques caractéristiques techniques. Il couvre 9204 mètres carrés. Il aura une capacité d'au moins 5000 places assises. Au moins parce qu'en fait, la capacité définitive, nous allons la définir après qu'on ait choisi le modèle de siège. Donc c'est le modèle de siège qui nous permettra d'aller au-delà de 5000. Mais en tout cas, au bas mot, c'est 5000. Nous aurons 7 blocs sanitaires avec 61 toilettes. Il y aura 42 locaux, il y aura une infirmerie avec 3 lits d'hospitalisation. Nous allons utiliser un ascenseur parce qu'il y a des niveaux. Il y aura un parking souterrain et un parking extérieur. Nous aurons un baptistère avec 3 toits rétractables. Ce temple-là, si vous êtes du côté de Masikita, il a 4 niveaux, c'est-à-dire R plus 3. Mais si vous êtes du côté de Marine, ce sera R plus 2. Nous allons donc construire un lieu de rencontre avec l'Éternel. Est-ce que c'est une première expérience pour l'Éternel d'avoir un lieu? Non, la Bible parle de beaucoup d'expériences de construction, de lieux de rencontre avec l'Éternel. Et au nombre de ces lieux, il y a le tabernacle. Exode chapitre 36, verset 5 nous dit, « Moïse avait fait appel au peuple d'Israël, il avait fait appel aux dons. » Et la Bible nous dit, il y a eu tellement de dons que Moïse a été amené à demander au peuple d'arrêter avec les dons. Que l'Éternel fasse grâce. Que cette grâce, que cette expérience-là, vécue avec le tabernacle, soit vécue avec notre temple. Qu'il y ait plus de dons que nous n'en aurons besoin. David, lorsqu'il a fallu préparer les matériaux pour la construction du temple par son fils, évidemment, il a fait appel aux dons volontaires. Mais est-ce que c'est n'importe qui faisait des dons volontaires? Esdras 1.5 nous donne la précision. Donc, ce sont les personnes dont l'Éternel réveille l'esprit qui participent aux travaux de construction du temple. Lorsqu'il a fallu reconstruire, rebâtir le temple de Jérusalem avec Esdras, la Bible nous dit, ce sont les personnes dont l'Éternel avait réveillé l'esprit qui avait participé. Que l'Éternel fasse grâce, que tous les l'esprit de tous les membres de l'Église de la Bonne soit réveillé pour que tout le monde conjugue ce verbe montons, transpirons, montons, apportons et bâtissons. Enfin, Exode 28 à 31 nous donne un élément important, c'est le rapport. C'est vrai qu'il y a eu des dons qui ont été faits par le peuple d'Israël. Rapport a été fait au peuple d'Israël en ce qui concerne tous les dons qui avaient été faits pour la construction du tabernacle. Et nous, pour la construction de notre nouveau temple, nous avons commencé les contributions depuis 2014. Combien avons-nous mobilisé depuis 2014 à ce jour? Si nous considérons tous les fonds qui sont passés par la caisse, nous avons vendu des pains, nous avons vendu des calendriers, nous avons reçu de l'argent par la banque, toutes devises converties, nous avons mobilisé 1 091 309,23 $. Que l'Éternel soit loué. Ça, c'est le montant que nous avons mobilisé pendant ce temps. Et jusqu'il y a 2 jours, c'est-à-dire le 28 octobre, le solde toutes devises confondues était de 528 832,79 $. Qu'est-ce que nous avons fait avec la différence? C'est-à-dire 562 476,44 $. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons payé les honoraires des architectes, nous avons payé les honoraires des ingénieurs, nous avons acheté la parcelle Bethel, nous avons arrangé la maison qui était sur Bethel, nous avons construit les hangars là où il y a les anciens hangars, nous avons installé les chapiteaux, nous avons construit de nouveaux hangars, nous avons payé la surveillance des travaux de construction des hangars, nous avons payé l'électricité pour les nouveaux hangars, nous avons payé la grille coulissante qui est sur l'avenue Équateur, nous avons imprimé des calendriers et des enveloppes, et enfin nous avons réalisé des travaux de forage. C'est à cela qu'a été affectée la différence, c'est-à-dire 362 476,44 $. J'ai dit que nous allons commencer par phase.
En quoi consiste la première phase? La phase la plus grande, la phase la plus importante. Elle couvre 3243,6 mètres carrés. Comme je l'ai dit, ce sera de ce côté. Quelle en sera la capacité? Ce sera au moins 1462 places assises en fonction de la taille des sièges que nous allons choisir. C'est là que nous aurons le parking souterrain. Au niveau de cette première phase, 13 locaux seront construits. Il y aura deux mezzanines, il y aura deux cages d'escalier, il y aura aussi des gradins. Combien vont nous coûter tous ces travaux-là? Tous ces travaux vont nous coûter 2 896 506 $ que nous arrondissons à 2 900 000 $. Et notre volonté, la volonté de nous tous, c'est que ces 2 900 000 $, nous puissions les mobiliser en une année. Ça veut dire qu'au plus tard, le 30 octobre 2023, nous devons avoir mobilisé les 2 900 000 et même achevé la première phase. C'est effrayant, 2 900 000 dollars. Mais est-ce que ça doit nous effrayer? La parole de Dieu nous inspire. Je me suis permis de paraphraser Zacharie chapitre 4, versets 6 et 7. Je paraphrase. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel nous adresse. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et je paraphrase, qui es-tu, montagne de 2 900 000 dollars devant nous? En tant qu'objectif, nous, tu seras atteint. Et la première pierre de la première phase de construction de temple sera placée au milieu des acclamations, dit l'Éternel des armées. C'est 2 900 000. En une année, avec l'aide de Dieu, nous allons les mobiliser. Et les travaux, et le temple sera effectivement commencé. 2 900 000, c'est une montagne collective. C'est une montagne collective. Mais cette montagne collective-là, il faut que chacun en tire une montagne individuelle. Il faut que chacun ait sa part dans cette montagne individuelle. Pour ceux qui aiment bien les mathématiques, s'il faut se limiter aux moyennes, si on estime à 5 000 le nombre de membres de l'Église, ça fera 580 $ par personne, par année, par mois, 48 $. Ok, 48 $ par mois en moyenne. Mais je pose une question. Si lors de la souscription, chacun de nous aujourd'hui va seulement souscrire en fonction de ses moyens actuels, en fonction seulement de ses moyens disponibles, en quoi est-ce que cela constituera un acte de foi? Ça ne constituera pas un acte de foi. Or, pour aplanir cette montagne-là, nous avons besoin de la foi. La Bible dit « la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas ». C'est pourquoi, permettez-moi de partager avec vous deux expériences dans la Bible. De personnes qui ont eu à mettre en œuvre, des personnes qui ont eu à exercer leur foi. La première expérience, elle concerne les églises de Macédoine, qui nous est rapportée dans 2 Corinthiens chapitre 8, versets 2 et 5. J'aime bien le verset, le sommeur. Je vais lire progressivement. Elles, c'est-à-dire les églises de Macédoine, elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses. Mais les croyants, animés d'une joie débordante et malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une grande générosité. Ils sont allés jusqu'à la limite de leurs moyens et même au-delà, j'en suis témoin. Spontanément et avec une vive insistance, ils nous ont demandé la faveur de prendre part à l'assistance destinée à ceux qui, à Jérusalem, appartiennent à Dieu. Dépassant toutes nos espérances, ils se sont tout d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. Paul avait estimé que ces gens-là étaient pauvres. Comme ils étaient pauvres, ils ne devaient pas participer à la collecte en faveur des saints. Eux-mêmes, en fonction de leur foi, ils ont dit à Paul, non,
malgré notre pauvreté extrême, nous allons contribuer. Et Paul lui-même, il dit qu'il a été surpris. Parce qu'il est allé, ils sont allés au-delà de ce à quoi ils pouvaient s'attendre. La clé, ils ont exercé leur foi. La deuxième expérience que je veux partager avec vous, c'est celle de Josué. Josué chapitre 10, versets 8 et 12. Josué chapitre 8, versets 10 et 12. C'est Dieu qui s'adresse à Josué. Il lui dit, l'Éternel dit à Josué, ne les crains pas, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Quand Dieu lui dit ça, Josué a une assurance en lui. La victoire m'appartient. Qu'est-ce que lui fait à son tour? Il fait une prière. Laquelle? Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajal. » Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajal. Ceux qui ont fait la géographie, ils savent qu'il y a le mouvement de translation et le mouvement de rotation de la terre autour du soleil qui ne s'arrête jamais. Mais Josué, il fait une prière, il demande à Dieu une chose qui est humainement impossible. Humainement impossible. Est-ce que cela s'est fait? Le verset 13 le dit, cela s'est réalisé. Ça veut dire que Josué a demandé à Dieu quelque chose qui était au-delà de la pensée humaine. Humainement impossible. Et j'ai utilisé un néologisme ce matin. J'ai dit, humainement impossible, mais Jésus-Christement possible. Humainement impossible, mais Jésus-Christement possible. Je reviens à notre projet. Est-ce que chacun de nous ne peut pas, en fonction de sa foi, de sa relation avec l'Éternel, se mettre devant l'Éternel, dire, Éternel, pour la construction du temple de l'église la bonne, je veux faire une souscription humainement impossible, mais Jésus-Christement possible. C'est pourquoi les bons de souscription, nous ne voulons pas que vous puissiez les remplir dans la précipitation. Que ce soit le résultat de votre conciliabule avec Dieu, de votre entretien avec Dieu, de votre consultation de l'Éternel, non pas en fonction de ce que vous avez aujourd'hui, mais en fonction de ce que vous, vous pensez que Dieu est capable de faire à travers vous. Psaume 74, il nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Est-ce que nous ne pouvons pas, lors de nos souscriptions, faire des exploits en souscrivant pour un montant humainement impossible, mais Jésus-Christement possible? On vous a distribué dans une enveloppe, c'était fait dans une enveloppe, on vous a distribué, ou bien on est en train de vous distribuer des gens dans une enveloppe. On vient de me faire observer qu'il y a eu beaucoup d'erreurs d'impression. Si vous constatez qu'il y a eu une erreur d'impression, veuillez nous retourner parce que nous allons poser le problème à l'imprimeur. Nous avons dépensé de l'argent. Il faut qu'il les remplace. Il y a des flyers sur lesquels surtout les numéros de compte ne sont pas très lisibles. S'il vous plaît, ces flyers-là, nous avons dépensé de l'argent pour les acquérir. Nous n'allons pas retrouver des flyers où on est en train de vendre les arachides avec ça. Ce sont des biens précieux. Pour deux raisons. D'abord parce qu'ils nous ont coûté de l'argent. Ensuite parce qu'ils ont des informations qui vont permettre à chacun de nous de voir où on est, de voir où on est en train d'aller. Parce qu'il y a quelqu'un qui, quand il a défini l'obstacle, c'est ce qu'on voit quand on détourne le regard de l'objectif. L'objectif que nous avons de construction de ce temple-là, vous l'avez sur le flyer là. Gardez-le s'il vous plaît. Et ce flyer est accompagné d'un bon de souscription sur lequel vous allez... Nous souhaitons que vous puissiez inscrire votre nom. Mais si pour des raisons personnelles, des raisons de convenance personnelle, vous estimez que votre souscription doit demeurer anonyme, vous pouvez ne fût-ce que nous donner votre numéro de téléphone, votre numéro de contact,
Parce qu'en fait, et ça c'est le pendant, lorsque vous souscrivez, souffrez qu'à notre tour, nous puissions régulièrement vous relancer pour vous rappeler, mon frère, ma soeur, vous avez souscrit, est-ce que vous ne pouvez pas apporter, vous ne pouvez pas libérer votre souscription. Vous allez écrire le montant pour lequel vous avez souscrit. Le bon de souscription, si le Seigneur vous convainc de le remplir tout de suite, vous le remplissez, vous allez le placer dans le panier qui va circuler tout à l'heure. Mais sinon, quand vous rentrez à la maison, priez, consultez l'Éternel, demandez à l'Éternel et dimanche prochain, vous allez nous le retourner. Les numéros des comptes bancaires et les numéros de Mobile Money sont sur les flyers. Pour ceux qui vont faire des virements bancaires, les libellés sous les extraits bancaires, généralement, ils ne permettent pas d'identifier la personne qui a fait le virement. C'est ainsi que nous souhaitons, nous proposons vivement que si vous faites un virement bancaire, au niveau du motif du virement, que vous puissiez mettre en premier votre nom, ensuite écrire contribution temple. Si vous écrivez votre nom, directement on saura que la contribution vient de telle personne. Mais si pour des raisons personnelles, vous estimez que bon, votre contribution doit demeurer anonyme, vous écrivez tout simplement contribution temple. Il en est de même pour les mobile money. Vous pouvez faire mobile money à un numéro où votre nom peut apparaître. Mais il y a aussi des transferts qui se font sans que votre nom apparaisse. Si vous envoyez vers un numéro qui ne peut pas ressortir votre nom, nous allons vous demander de souffrir, de bien vouloir faire un SMS. Il y a un numéro InfoLine qui est là, où vous allez donner votre nom et le code de l'opération. Parce que c'est le code de l'opération qui permet d'identifier la personne. Il y aura beaucoup de données à manipuler. Il y a d'abord les souscriptions, le suivi des souscriptions, l'enregistrement des souscriptions, le suivi des comptes bancaires. Ce sont des opérations importantes. Il y aura beaucoup de données à manipuler. Si on devait les manipuler manuellement, en tout cas, on perdait beaucoup de temps. Il y a un desktop qui a été acheté qui est spécialement dédié aux opérations temple. Parce que notre gageure, notre défi, c'est que chacun, à tout moment, il peut se présenter auprès de la commission pour voir à quel niveau se situent ces contributions. Mes amis, ce projet-là, nous devons le réaliser. Avec l'aide de Dieu, nous allons le réaliser. Mais nous ne sommes que des ouvriers inutiles. Pour que nous puissions avancer, il faut que Dieu nous dise quelque chose. Pour que Dieu nous dise quelque chose, il faut que nous nous adressions à lui. Aussi, puis-je demander à toute l'Assemblée de se lever? Ok, je vais continuer à parler. Si vous terminez, vous me faites signe, je peux revenir là-dessus. Pour commencer effectivement les travaux, nous devons payer 30% de l'avance. 30% des 2 900 000 dollars arrondis, ça nous fait 900 000 dollars. Une fois que nous avons 900 000 dollars, nous évacuons tout ce qu'il y a là-bas, nous cassons une partie du temple et les travaux commencent. Mes amis, cette entreprise peut sembler humainement impossible. Mais avec l'Éternel des armées, nous sommes capables d'aller au-delà. C'est l'occasion que Dieu nous offre de pouvoir de pouvoir éprouver notre foi, de pouvoir lui montrer que nous sommes des enfants. Les païens, quand ils vont entendre que nous devons mobiliser 2 900 000 dollars, peut-être qu'ils peuvent se moquer de nous, hein, ils peuvent sourire, 2 900 000 dollars, mais ces gens-là, ils rêvent ou quoi? Mais certaines fois, il faut rêver. Hein? Certaines fois, il faut rêver pour que finalement, vous puissiez savoir où est-ce que vous devez aller. Pour les personnes qui sont à l'étranger, qui peuvent faire aussi des virements bancaires, nous souhaitons que sur le libellé de virement, sur le motif de virement, en première position, vous puissiez indiquer le pays à partir duquel le virement est effectué. En deuxième position, votre nom,
et en troisième position, contribution temple. Parce que le libellé contribution temple va nous permettre de pouvoir tout identifier toutes les contributions. Et maintenant, lorsque les libérations, lorsque vous allez devoir apporter, libérer votre souscription, on vous a remis une enveloppe. Cette enveloppe-là, elle va servir à collecter les différentes libérations de souscription que nous allons enregistrer. Si vous n'avez pas cette enveloppe-là, vous pouvez acheter même n'importe quelle enveloppe. Vous y glissez votre contribution. J'ai fait observer au premier culte que cette souscription-là, elle se fait en dehors des dîmes et des offrandes. N'incluons pas la dîme dans ces souscriptions-là. Ces souscriptions-là, c'est au-delà de la dîme, au-delà des offrandes que nous emmenons. Parce que dans l'entretemps, l'Église va fonctionner. Nous avons du personnel, il y a des choses qui doivent être faites avec de l'argent. Donc les dîmes et les offrandes vont continuer à être collectées. Elles vont servir au fonctionnement normal de l'Église. Mais la souscription pour le temple, c'est une contribution spéciale. C'est une contribution particulière. Ne donnons pas en pensant que nous investissons, Dieu va nous retourner en retour. Non, nous allons donner parce que nous aimons Dieu. Donnons parce que nous aimons Dieu. Ne faisons pas des calculs avec Dieu. Les bénédictions de Dieu, elles sont tous azimuts. Hein? Elles prennent n'importe quelle forme. Si Dieu veut vous bénir, c'est à lui de décider. Mais lorsque nous allons donner de l'argent pour le temple, ne faisons pas des calculs d'investisseurs. Nous donnons 100, il va nous retourner 1000, il va nous retourner 200. Si nous faisons ce calcul-là, nous sommes à côté. Nous allons donner l'argent à l'Éternel parce que nous l'aimons, parce que nous aimons l'Éternel. Celui qui aime, donne. Celui qui n'aime pas, ne donne pas. Vous avez distribué à tout le monde ? C'est fini? Pendant qu'on je peux aussi partager les sujets. C'est vrai que c'est une activité matérielle. Hein? Les gens vont venir construire. Ils vont construire. C'est une activité matérielle. L'entrepreneur qui va gagner, il va. Même les païens, ils construisent. Hein? Mais c'est une activité matérielle hautement spirituelle. Parce que la main de l'Éternel est là. La Bible nous parle de Tychus. Vous connaissez l'histoire de Tychus? Et Tychus, on était en train de prier, il est tombé. Il y a des accidents qui peuvent arriver sur le chantier. Nous allons prier l'Éternel pour que ce chantier-là, du début jusqu'à la fin, il n'y ait pas un seul accident. Nous allons faire en sorte que toutes les personnes qui vont demander à l'Éternel, pour que toutes les personnes qui vont travailler là-bas soient en sécurité. Nous avons besoin de la prière. Les membres de la commission ont besoin de la prière parce que nous sommes des ouvriers inutiles, nous sommes capables de rien. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous avons demandé que chacun décide du montant de sa souscription en mettant Dieu à l'épreuve, en mettant Dieu au défi, en choisissant ce qui est humainement impossible, mais Jésus-Christement possible. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit illumine l'intelligence, éclaire tous ceux qui auront, tous les membres de l'Église, afin qu'ils choisissent, qu'ils décident du montant de leur souscription en fonction de leur foi, et non pas en fonction des moyens actuels. Le pilote de l'opération de construction du temple, c'est le pasteur. C'est une grande entreprise, vous savez. C'est une grande entreprise. Et le lieu de rencontre où les gens vont adorer Dieu aisément dans de bonnes conditions, ça peut pas réjouir Satan. Les très enflammés, le pasteur en recevra, les membres de l'église en recevront, les membres de la commission en recevront. Nous allons prier pour que la promesse de l'Éternel, selon laquelle toute arme forgée contre vous sera sans effet, nous allons prier pour que cela soit de mise. Nous allons prier pour qu'il y ait plus de dons que de besoins. Nous avons besoin de 2 900 000. Nous serons sur pied, nous allons mobiliser plus de 2 900 000. Si vous êtes d'accord avec moi, est-ce que nous pouvons nous lever, recommander ce projet entre les mains de l'Éternel, qu'il chemine avec nous comme il a commencé avec nous, et le jour où tout cela sera achevé, nous allons nous retrouver ici cette fois-là.
pour crier des cris de joie, pour rendre des actions de grâce, parce que nous aurons eu un temple spécial. Est-ce que chacun peut incliner sa tête, recommander tous ces sujets entre les mains de l'Éternel? Éternel, désormais, tu es Dieu, tu es notre raison d'être. Ce projet, Éternel, désormais, peut-il être réalisé sans toi? Non, Éternel, désormais. Mais parce que toi, tu as dit qu'avec toi, nous sommes capables d'exploits. Saint-Esprit, je prie pour que tu inondes le cœur de chaque membre de cette Église, afin que chacun puisse souscrire, déterminer le montant de la souscription tel que tu l'attends de lui, Éternel, désormais. Merci, Père Céleste, pour toutes les souscriptions que nous aurons. Éternel, je prie pour que ce que tu as fait expérimenter au peuple juif lors de la construction du tabernacle, parce qu'il y a eu plus de dons que de besoins, mais Éternel, désormais, que nous puissions nous retrouver avec plus de 2 900 000 $, parce qu'Éternel, nous serions confiés en toi. Nous te recommandons le pasteur, le leader de ce projet. Oui, Éternel, désormais, sûrement qu'il y aura des traits enflammés de l'ennemi dirigés contre lui, mais Éternel, désormais, sois son bouclier. Sois son bouclier et que le malin lui-même puisse se demander comment est-ce que ces traits enflammés ne peuvent pas l'atteindre. Éternel, désormais, nous avons besoin de toi. Bénis tous les membres de la commission. Nous avons besoin de ta sagesse. Éternel, désormais, réveille l'esprit de tous les membres de l'Église. Qu'il n'y ait pas de Tobija, qu'il n'y ait pas de Sambala, Éternel, désormais. Que ceux qui doutent de ce projet, Éternel, désormais, toi-même, tu puisses les convaincre. Que tu fasses comme tu l'as fait avec Balaam. Balaam s'était résolu de maudire le peuple d'Israël, mais il s'était retrouvé en train de bénir Israël. Que les Tobija et les Sambala, ceux qui vont se résoudre à parler en mal du temple, Éternel, désormais, qui se retrouvent eux-mêmes en train de parler en bien du temple. Nous savons qu'il en sera ainsi. Parce qu'Éternel, désormais, le cœur de tous les membres de l'Église de la Bonne, il est entre tes mains. Et toi, tu vas l'incliner dans le sens de la conjugaison des verbes monter, apporter et bâtir. Merci pour ton accompagnement, Père. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Que Dieu nous bénisse dans cette grande entreprise. Gloire à Dieu. Alléluia. Veuillez vous rasseoir. Quel projet merveilleux. En tout cas, j'attends ce que ce projet suscite auprès de chacun. Oui. On va faire circuler le panier. Hein. On va faire, pendant que le pasteur sera en train de lire les communiqués, on va faire circuler le panier pour soit collecter soit les bons. Si vous avez une contribution, vous la faites. Gloire à Dieu. Merci, hein, Papa Batou. Merci en tout cas à chacun de vous. Voilà une occasion que le Seigneur nous offre de pouvoir contribuer à la construction de ce temple. Vous voyez que nous ne pouvons plus continuer à nous rassembler dans ces conditions. Il fait de plus en plus chaud. Et vu la configuration de la salle ici, il est difficile d'avoir un son qui puisse plaire à tout le monde. Quand on augmente les baffles ici, ça fait mal. Quand vous diminuez ici, les autres n'entendent pas. Donc c'est un véritable jeu de chaises qu'il faut déplacer dans tous les sens. Vous voyez, donc voilà. Que Dieu soit béni. Je vous informe, vous l'avez certainement remarqué, que depuis quelques dimanches, en tout cas ce dimanche-ci c'est officiel, le hangar 3, c'est-à-dire le hangar accolé à l'église, est opérationnel. On a un grand panneau LED à l'intérieur, il fait merveilleux, on a installé des baffles, et par conséquent nous avons pris une partie des gens qui se mettaient dehors pour les diriger là-bas. Et la partie qui est restée vide sur le parking sera désormais occupée par des voitures. Donc voilà. Nous gagnons déjà quelque chose, et donc sachez que ce hangar-là, ici, d'ici la fin du culte, vous pouvez aller visiter, voir comment tout avancerait bien. Et très prochainement, ça sera le hangar 2, et puis nous terminerons avec le premier hangar, c'est-à-dire en partant de Massikita. Là, il y a quand même des travaux parce qu'il faut renforcer le mur mitoyen. Tout cela est en train d'être fait. Ce n'est que lorsqu'on aura terminé avec ça, on aura placé les bardages, qu'alors on installera le panneau LED et le premier hangar pourra être occupé. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Lancez-vous dans cette aventure par la foi, c'est formidable. Afin que dans 10 ans, quand vous passerez par ici, vous verrez et que vous serez là, vous vous direz, mais Seigneur merveilleux, je ne pouvais pas m'imaginer que nous pourrions construire ce temple en un temps record. Tout dépend de vous, tout dépend de moi. Alléluia. Voilà, nous vous rappelons donc les différentes réunions de la semaine, notamment le mardi, ce sera le 1er novembre, donc les dames
à partir de 15h30, ce sera jeûne et prière, et tout cela pour préparer la deuxième édition, de la conférence Éclat que les dames de l'Église organisent, et conférence qui sera animée donc par notre sœur Stéphanie Rieder, qui nous vient du Canada, de l'Église Nouvelle Vie à Longueuil. Elle sera accompagnée de Sandra Kouame, donc ce sera pour la toute première fois qu'elle découvre le Congo. Elle est d'origine camerounaise, mais elle va découvrir notre beau Congo. Et donc voilà, les dates sont là, du 23 au 25 novembre. En tout cas, bouquez cette période, ça sera merveilleux. Et le vendredi 25, eh bien, c'est Sandra Kouame donc qui va animer le moment de louange, le moment d'adoration. Alors le même mardi, il y a aussi les hommes qui se réunissent. Et puis le baptême, les candidats au baptême, n'oubliez pas, aujourd'hui, il y a récupération des leçons pour ceux qui auraient raté certaines leçons. Donc il y a des séances de rattrapage à 12h30, donc ça sera ici au hangar 3. Et puis les entretiens débuteront le mardi 1er, puisqu'après les enseignements, il y a toujours des séances d'entretien pour voir si vous avez encore des questions, vous donner l'occasion de poser des questions, ou si vous avez vraiment compris pourquoi le baptême lorsqu'on a cru en Christ, et pourquoi le baptême dans sa forme immersive, c'est-à-dire être plongé dans les eaux, etc. Et donc voilà, c'est tout. Maintenant je vais demander s'il y a des gens qui sont là pour la toute première fois, si tel est votre cas, nous aimerions vous accueillir de manière particulière. Ainsi, je vous demanderai de lever votre main si vous êtes là pour la toute première fois. Ah voilà, il y a une main qui s'élève là-bas. Merci dans le fond. Merci. Ah, il y a des mains ici. Gardez bien vos mains levées. Que Dieu soit béni, vous nous êtes chers. Et voilà, merci d'être venu passer du temps avec nous. On vous remet donc ce dépliant qui reprend toutes les activités qui ont cours ici à la borne, sur les sites la borne. Et puis à se déplier donc un petit talon qui est détachable. Vous voyez que vous pourriez remplir, c'est simplement pour avoir vos coordonnées et puis voir dans la mesure du possible comment garder contact avec vous et vous aider à mieux connaître le Seigneur. En tout cas, merci d'être venu. Et si vous n'êtes pas pressé, je crois que c'est déjà fait, nos amis du service d'accueil vont vous diriger vers un salon, le salon préparé du reste pour vous, et là, un petit rafraîchissement, surtout par ces temps, hein. Un petit rafraîchissement vous sera donc offert avec amour. Alors, on rappelle ceux qui prennent, qui souscrivent à la mutuelle La Borne. L'enregistrement pour l'année mutualiste 2023 a déjà commencé, donc vous n'avez qu'à aller au bureau mutuel de santé La Borne, au CHB. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe de fonctionnement de la mutuelle de santé, c'est quoi? C'est-à-dire, vous avez plusieurs hôpitaux qui mutualisent leurs efforts, c'est-à-dire qui se mettent ensemble, et puis ensuite, tous ceux qui souscrivent la mutuelle reçoivent une carte. Avec cette carte, vous pouvez vous faire soigner avec réduction dans tous les hôpitaux qui font partie de notre système de mutuelle. On peut me rappeler rapidement quelques hôpitaux? Hein? HJ, hein? Voilà, il y a HJ, vous voyez, c'est déjà quelque chose, hein? Oui, à La Borne, évidemment, je crois qu'il y en a d'autres, c'est tout un réseau d'hôpitaux qui se sont mis ensemble pour mutualiser leurs efforts, partager leurs fardeaux, hein, excusez-moi un peu. Et donc, voilà. Et on vous remet un badge, c'est un macaron. Voilà, si vous êtes en ordre de paiement, et voilà. N'attendez pas de tomber malade, parce que certains ne comprennent pas. Vous voyez, donc vous cotisez, le jour où vous êtes malade, quand vous allez vous faire soigner, vous présentez votre carte et vous payez moins. Vous pouvez souscrire pour vos travailleurs, nous avons beaucoup de gens qui ont pris cela pour leurs travailleurs, et donc quand ils sont malades, ben, ils viennent. Ils ont souscrit, et ben, on les soigne à un prix très biblique. Hein. Maintenant, devinez, c'est quoi prix biblique? Je vous laisse le soin de vous battre avec le Seigneur. Voilà, nous arrivons à la fin, et je voudrais
vous remercier d'avoir été extrêmement patient, parce que nous venons de déborder, mais un tout petit peu. En tout cas, encore une fois, merci à la commission. Donc, ce que vous avez mis dans le panier aujourd'hui va déjà servir à la construction. Et ceux qui ont pris la souscription, prenez d'abord du temps avec le Seigneur, ne vous précipitez pas. Peut-être que le Seigneur peut vous donner l'occasion. En une fois, vous mettez les 2,9 millions et nous commençons les travaux tout de suite. Tout est possible, non? Mais comment? Vous ne savez pas, un jour, Jeff Bezos se réveille avec votre nom dans la bouche. Claudine, mais c'est qui? Et puis un jour, il y a le nom qui s'ajoute. Il dit, mais au Congo. Ah, Congo, il dit, mais je ne comprends pas. Et puis un jour, on voit ça, et puis hop! Il dit, allez me chercher la fameuse Claudine que je vois tout le temps en rêve. Quel est ton besoin? Mais alors là, ne donne pas ton besoin, non, j'ai besoin d'un sac Louis Vuitton. Dites, le besoin, c'est celui de l'Église. Nous avons besoin de 2,9 millions. Si vous pouvez nous donner même un dollar. Dites, c'est quoi, 2,9 millions? Mais c'est rien. Et puis nous nous réjouissons. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous allons nous mettre debout pour terminer. Merci d'avoir été avec nous dans ce deuxième service. Merci de nous avoir assistés, Seigneur, dans les moments de louange et d'adoration, dans la prédication de ta parole. Aide-nous, Seigneur, à nous tourner toujours vers toi et à nous jeter dans tes bras d'amour, à nous y blottir, car c'est le seul endroit où nous pouvons expérimenter la paix du cœur, le seul endroit où nous pouvons véritablement nous reposer, nous pouvons être à l'abri du brouhaha et de toutes sortes d'agitations qu'il y a dans ce monde. Seigneur, merci. Merci pour tout, pour le projet qui est là. Nous voulons démarrer le plus tôt possible, Seigneur, la première phase de la construction de notre temple. Et pour cela, aide-nous, Seigneur, à nous engager par la foi. Merci pour tout. Merci, Seigneur. Précède-nous et bénis cette semaine au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, ainsi que la communion du Saint-Esprit, reste et demeure sur chacun de nous. Allons dans sa paix. Et demeurons dans sa victoire jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, excellente semaine, et au plaisir de vous revoir. Merci. Merci. Bon. Ah.